Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Combo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, on va commencer cette émission Bande Konanga avec les groupes armés. Situation il y a M23 au Yogere Zo Bandakalati. Après, on va parler il y a Washington, Bandeko États-Unis, va passer message sur M23 et Rwanda. Alors, Bandeko Nangai, ça chauffe déjà parce que le combat de Zo Bandakalati, tout ça va connecter pour Boyoka, Oyo et Zo le Kakalati, Nanoki. Deuxième point, chers téléspectateurs, Oyo bande konangai ezasom François Béa et le quoi accusé bande koubaza devant la haute cour militaire ce vendredi à chambre foraine à Makala devant la haute cour militaire n'a quatre accusés donc trois deux colonels na brigadier bakosala devant la cour militaire, donc à peu près 5 personnes. Donc vous êtes devant la cour militaire, donc c'est-à-dire des colonels, commissaires supérieurs, puis n'a pas quoi accuser monsieur. Donc tant que vous avez dit, ils appellent un coup d'état, quand ils vont te dire, maintenant, ils ne sont pas les gens, il y a un colonel ou un commissaire supérieur à faire des. Bon, nous sommes dans un cadre complet. Tous à la connecter par sa chauffe dans cette émission. Alors, Bande Konangai, Boyim Samaninga Nyonso était émission à M. Bandi et comme étant autre sur l'ensemble, ma solo yambouka. Bande Ko, tu reconnais directement la situation sécurité. Au nord Kivu, ça ne va pas. Les M23, les rebelles M23, basa toujours Nangomba Yaruni et Tchandjou. Et pas et Wapi, basa la quartier général Nabango. Maintenant, message et l'obami Lelo, clairement Boyoka société civile, basa n'a pas fait des chibas déloger Bango. Yango bisounio so bende le quoi te passe bitumbezo banda. Après tout le cas de message à Washington et aux États-Unis. Bandeko, Ezo Sala, Domawa, citation Oito Zanango, parce que Makambo Oya Est Bandeko Nangai, Ezo Sala, Dosoko Tali, la citation politique, au moins à Penaki, non, ça ne va pas. Donc, moi, je suis menacé. Je ne suis pas menacé. Donc, clairement, la situation est en train de se faire. Et je suis en train de se faire. C'est-à-dire, les M23, baza pour le moment, na ngomba wana. C'est le cas de ce que je suis. Pourquoi ceux qui te botent les places sont bango il faut pas zonga les soir. Qu'est-ce qui nous manque na faire de ces poteaux déloger bango définitivement? Effectivement, Monosco bazo travaille la main dans la main à faire de ces tolanda qui lobby. Baza ko appuyer be hélicoptère nyonso et attaquer bango directement. Ko déloger bango na ngomba na bango tout bakendi. Na ba lié na bango. Alors ça va chauffer Bande Konanga. Mais tous à la bisonyo so, si ma ya fa desi, bendele e koyati. Bisonyo so tous à la simana bango. Po bitumbe zo banda. Yangon te yoko comprendre pourquoi renfort yaki. Parce que bango ba replie na ngomba wana ya tchanjou. Bitumba oye le kaki bango ba yaki ti na rumangabu. Ti na baya na gomba. Pas de sa repoussa qui bon bas zonga qui n'a place na bango. Maintenant,
bitumbe zo banda. Bandeko, ezo mona clairement ete batu yo, batu baza sima na bango. Baza apuye sima na bango. Me biso nyonso, toza l'ensemble, bomoko po na intere ya mbuka. Bako koka biso te, yante yu saba kongole, ete biso nyonso, mobilize. Alo, situation mo siko ezandengini, se sa oto kena wan detay. Yamoti na kato zolo bake, makamu eza klete. Fade sa boto na ki place wana, me bango ba ki ba rekiperi yango. Me tewe ki asenisman la arme zo salama. Paske zo mwana kler ma ki li kamo eza flou. Me, matiswe zo banda li susu. Komba ko sakanate, poto deloje bango definitivman. E ko zalavek, l'hélicoptère à Monusco n'a pas décidé de bombarder Bango pour ba quitter place wana. Ba juge ba arme, ba on peut se préparer na ba voisin. Ba voisin pour le moment, ba comme na soni parce que message yé ba ba ko loba nini. Et zo mwana clairement que ba comme na problème sérieux. Pour o ba luka ki bandeko. Baye ba ete eko yinde la bango. Parce que maintenant, toza na renfort, toza pena, oyo ka kapoto deloje bango. Fardese, bako sala musala, biso nyonso kaka liloba moko, pendele eko yate. Mais avant de continuer, to yoka, ndenge nini bango, bazana ngomba wana, pendele nini société civile a sengi, va déloger Bango. Bon, on continue, mission la mission. Au nord Kivu, dans les territoires des Rutshuru, la situation sécuritaire dans le village conquis par l'armée congolaise dans la région des Jomba, théâtre des récents affrontements entre les FARDC et l'M23, reste imprévisible. Les sources de la société civile redoutent le rebondissement et la reprise des nouveaux affrontements entre les deux belligérants dans la région. Le président de cette structure plaide une fois encore pour les opérations des grandes envergures afin de déloger les rebelles du M23 des collines des Tchanzou, Runyoni, qu'ils tiennent toujours. La reconquête de ces collines par l'armée permettrait aux déplacés de retourner chez eux, a souligné Jean-Claude Bambazé, joint par Gabriel Ouaménian. Il faut dire que la situation sécuritaire est toujours précaire, elle est toujours médiocre, d'autant plus que ceux qui ont semé la terreur et l'insécurité sont toujours présents sur le sol congolais, notamment à Tchanzou-Runyoni et Musongati. La menace sérieuse, ce sont vraiment les membres du M23 avec ses alliés qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Nous avons brossé un peu la situation civile dans d'autres groupements où il y a d'autres armées qui continuent à pédaler et à créer de l'insécurité. Mais on n'a pas aussi manqué quand même de demander aussi, en tout cas, un soutien réel de la part des Nations Unies via la chef de bureau. On a montré clairement qu'en tout cas, les Nations Unies doivent vraiment condamner et sanctionner le Rwanda parce qu'il y a beaucoup de preuves que nous avons. On a discuté un peu sur la chose sécuritaire par rapport au dialogue qui est annoncé et nous on a dit non, c'est pas quand même sérieux que les gens aillent discuter, que les gens imposent à notre gouvernement de discuter avec ce que nous appelons les criminels, en tout cas un mouvement terroriste, ça c'est vraiment inacceptable. Alors, la société civile appelle les FARDC à déloger de Balongola Bango. Balongola Bango na Ngumba wana. Donc, ba bimisa pena bango, do sili sa bango. To landi biso nyonso wana, demande eza claire. De situation mena sécurité rekomi preke. Yango bande konangai, il faut aussi la nana batu yo, très, très propre. Batu oyo bati kamboka na biso kimia. Ce sont des terroristes, ce sont pas des Congolais. Pour peuple, baza vide côté Tchandjunaro ni peuple aza le souti. Maintenant, bango baza côté wana. Donc, guerre zo banda kalate, oyo kasuka, nabenemi, bando ki a Congo. Baza, ya bande ko makambo yo eza mobulu. Bientôt le début du combat. Alors,
Maintenant, il faut que bengana bango na force. Tout l'année, puis son yon son la société civile. Ba pesi message clair été ba déloger bango. Bande ko ba congolais, l'heure est grave. Et ça ta ouyou, tous à la distraite, tout récupérer mboka. Balkanisation yoka balkanisation. Yango anande ba olinga, ba vanda wana. Mais il faut tout bengana bango. Peuple à Kivu. Peuple ya Nord Kivu. Peuple oyo bozana est partout à Nituri. Ba Congolais baza sima na bino. To yebi pas yo salam. Mais ndenge to yoki wana FARDC ako bengana bango. Bako kite. Bako resiste te. Ce que nous avons, tous en a minduki a bien. Yango kama kambazo lubati, il faut armer na bisoto bongsango très bien. Assainissement salama très bien. Parce que peuple a kotuna ka question, mais pourquoi ngomba na to botula ki yango et comme su bamba za su wana ndenge nini? Et banda ki deja. Tu rebi ki to koma place wana. Le kola ba konti bazana volonté ya kobongsa mboka ba kozala déloge. Et ça ti ba kozwa te parce que tu rebi ba mba zolinga. Ba mon kande ba vana ngomba wana yango ne foto benga na bango na montagne wana. Donc c'est ça. Allo. Toke ndi sikoyo na message ya Washington. Bande ko Washington penza ba pesi message na bango. Ministre des Affaires étrangères, le Tundula, Azala Kikuna, Akutena Blinken, ou Aza secrétaire d'État américain, beaucoup mona bango ensemble, pour na yango ba sololi, pour la situation sécurité. Yango teye sa bande konyonso. Ete, message est comme vena Libanda très bien. Yango Washington a réagi. Nandenga mukiti. Ete mené comme temps bango ba déposer ba arme directement. Est-ce que ba kuyoka? Ba lié na mba za sima na bango. Mena Washington ba s'engager directement. J'assisti ba ko sola na Rwanda directement. Makambo yo efesi. Tout temps ensemble, message à Washington, bongo, to continue, émission la bisou. Agression à l'Est, bon yoka oye USA balobi, sur rebelle M22, Rwanda, à Washington. Et pas wapi, le Tundula Kutanaki, na secrétaire d'État américain. Washington s'engage à appuyer les efforts de Kinshasa pour révéler les défis de la paix. Le ministre congolais des Affaires étrangères, le Tundula, a échangé jeudi 10 juin dernier, donc c'était hier, à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Lors de ces échanges, a axé notamment sur la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a révélé que son pays s'engage à soutenir des efforts inaudibles, importants, en cours pour relever ces défis. Les États-Unis veulent soutenir la paix et la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis, a-t-il indiqué. Bandeko, Washington a le bien qu'on s'engage dans Makamu Oyo et le cas entre M23 na Rwanda. Na EDC. Et si la paix côte à l'Est. Message y a secrétaire d'État américain. Il a notamment salué les discussions qui s'est tenues en avril avec le gouvernement congolais et le groupe rebelle à Nairobi. Donc, a salué pendant effort au gouvernement na biso ba sali tout bazala na Nairobi na ba groupe armé.
passe deuxième tour les eaux à la Canada. Kaka makamba 1-23 on des eaux dérangées. Mais ma groupe armé basa prêt. Y'a qu'au solo là, na gouvernement. Ma groupe armé sont besoin d'une démission. Message à Washington et le bête binonion sont besoin à Nairobi. Ma solo oyesi. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, voilà ce qu'on y a, le Tundula, à qu'est-ce qu'on a Conseil de sécurité au besoin monawan. Si la situation sécuritaire à l'Est, le mardi 31 mai, Christophe Tundula avait dans son mot salué l'importance des Nations Unies pour le processus de paix à RDC. Il a rappelé que le gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour faire taire les armes dans sa partie orientale. Kinshasa acquise officiellement Kigali, Rwanda, de soutenir les rebelles M22. Après avoir capturé des militaires de l'armée rwandaise dans le rang de ces terroristes, ce que Kigali dément et soutient plutôt que la RDC a enlevé ses soldats. Donc, situation yangoana. Rwanda bandeko, ndenge to tanga, anto tchibo tanga. Rwanda baza toujours sima, il y a un 23. Mission na bango bandeko, bango ba otika biso calme, te passe baza na mission na bango. Mission na bango zani, eti, ba récupérer ngomba wana chanju, na runi ekoma, na maboko na bango. Runyo ni jinesuke. Alors, mena, la société civile à Rutshuru appelle les FARDC à déloger les M23 des collines de Tchandjou et de Runyoni. Alors, donc, message ça clair était bateau yobazala dégagé na ngomba wana Tchandjou na Runyoni batika mboka na biso. Alors, maintenant, ministre des Affaires étrangères azaki na Conseil de sécurité a lobiki officiellement Kigali azakwa supporter ba rebelle M23. Alors, rebelle M23 na ngomba no bo monitochi, donc baza toujours wana na rebelle M23 armée rwandaise simana bango yango esengete to déloger bango. La société civile appelle les FARDC à déloger les M23 des collines de Tchandjou et Runyoni. Bandeko, dont l'heure est grave. Alors, bientôt le combat entre FARDC et rebelles M23 à Tchandjou. Bandeko, situation est à Obalubaka, que situation est à grave. Tout en Bissonyonso, et au moins clairement, il faut qu'on déloge Batu Oyo. Nangomba wana. Wana, message, Oyo, Washington ba pesi. Si koyo, to développer ma solo ensemble. Bandeko, Washington, ba telemi na ma solo Oyo, ba lui ba s'engage, po, banguna Oyo ya Congo, ba tika EDC kimia. Rwanda, azasima, ya, ba rebelle M23 et comme étant Oyo ya ko déloge bango. Bande ko tubo ute ko landa extrait wana ya société civile. Donc tout déloge bango complètement babima. Baza alishu wana te. To silisi masolo na bango bakei. Ba Congolais, ba Américains, bazo sepela na ndenge fachi a sali makambo oyo na ba groupe armé wana premier point to signe to signaler bien deuxième point ba lobi ke ba s'engager ne fort na bango nyoso ya ko déloger bango nyoso wana oyo Rwanda bazasima M23 et te ba quitter ngomba na biso bazala wana te place wana bazala déloger. Donc message est clair ya onto isa ba congolais tala Batou yu babale ba manevre banakala. Basala nyonso pou ba rekipero yu ka balkanizasyon ma ye na bango yango. Me ma ye na bango sili. Paske bisou to komprende posisyon na bango. Bande ko, soko ye posisyon mungune, esengo yango wana. Bande ko, sityasyon ya, ya bisou oyo sityasyon sekirite, ba Ameriken,
baza ko luka nyonso ete tata voisin av koma pene yo kaka. Donc ba vanda pene yo kaka calme et donc ba vanda kimye makambo twesila. Bango bazo linga ete ba voisin pe batika kozala sima ya M22. MONUSCO baza décidé na ndenga mokete boye ke MONUSCO force ya ONU parce que le tundela loba ki devant l'ONU te yo comprendre po anini Bintou Keita a loba ke mené comme tato désarmé M23 bande ko tout désarmé bango complètement makambo ya S soyo ki ba réaction ndenga na ndenga ba congolais ya kosakana te bolana ki marche wana o esalama ina Kinshasa. Pona insécurité à l'est, nandeni Rwanda, baza sima ya M23. Bon, mon réaction, ba Congolais, ba akina kanda, osaka, on te ba parti ebele. Do, mon aki kame ba parti politique, moussousu bazalaki, wana, ba opposant, moussousu bazalaki, pona ko soutenir est ya Edma Kambo ya est agression rwandaise, et si la. Il y a un message dans son opposition, Zaké. Moment où yo, c'est un moment que l'on a kambou ya l'élection. Moment où yo, c'est un moment que l'on a kambou ya estécile. Tada, même États-Unis, bazar la souci na biso. Et qui m'y écoute? Ma kambou la nyon sur Rwanda, ça sera complètement libanda ma soul. Tu comprends la pointe. Bakora Nairobi, ba Rwanda ba koza insulté, ma solo na bango esilina. Ba voisin bandeko, et ça difficile. Ba voisin na biso, baza mbela mino mibale. O kaka double face, koto ba tali koto don o ka deux faces non osakanati. Eza la Uganda. Eza la Rwanda, toza la confiance na bango tepa, na ndenge makambo ezolika. Batika peple na biso kimia. Este wana, eza la complètement adon kimia pende kota. Me toza l'espoir, ete fa adesi, bako deloje bango. Militairement, pe ba longoli bango na ngomba wana achanju na runeni epai bango ba moni penaki, bako timula timula ba or, ba voama ma solo ko sila to lo ba chef en émission ba voisin ba okoma na l'air mo akoma mpiaka ba ne ko toza menacé makamba François Béa awa e bere toza ngolo ba kangika yemoko ba kanga yemoko te au total 5 personnes ba officier militaire supérieur pelissus ba koza devant la cour militaire maintenant ko bel sa po wana te wana sa po na sa souka yango ba ndeko to telema le temps est mauvais et comme il ta o congolais nyonso a telema po na mboka oyo bazoluka na EDC ba kozwa te Washington ne to landa wana bazala besoin ki voisin a se replier na mboka na yi a cause a soucima ya maskambo yote et puis ezo mwana clairement ba koza libanda parce que le tundula ke no ba devant le conseil de sécurité oyo kaka des Nations Unies na New York message ya tundula za éclair a lobi ke ba agresseur na biso atangi Rwanda clairement ke baza sima invente. Mena ba Amerike ba yusi bango te e komi tan bazala musika na makambo oyo e pi to yoki ONU message na bango te mena kosilisa inventu do gere zo banda ranfore sa dja pre kuna to deloje bango tiki premier point komi na deuxième point na biso bande konangai François Béa e officier FARDC devant la cour militaire. Procès François Béa et Zobanda, c'est vendredi 3
juin 2022, le colonel Sikapa, lieutenant-colonel Pierre Kalenga, commissaire supérieur Lili Tambwe, Guy Vanda Noah, brigadier Tonton Twadi. Bandeko, Batwana, Bozomona, dont 4, dont 5, 4 officiers militaires parmi Bangouana. Donc Bango Twana. Message la ko l'Obama a été dossier Beya. Et Zagaka, Yemoko, et Zanamo Foku détail. Ah, en tout cas, Mboka na biso. C'est quoi la vérité, Ango? Tu te contends ensemble au monde, Ango? Mais vraiment, tu sais que Mboka oyo wapi, ba Congolais. Ce n'est pas possible. Comment tu sais que ça va aider à ma bébé, Koloba Kesa Foku d'État? Ah, en tout cas, oui, que ça l'a mawa. Manque à patriotisme. Tant on t'a zoulo ba keza foku dita. O ba kangeka yé moumoni. Siko, tant on n'denge ba zo banda, mena, devant la haute cour militaire, na ba officier militaire, ou officier supérieur, ba colonel, donc ou yo kana commissaire supérieur ya, fa adese. Ba sa ouzare, ba sa na makala. Donc, ils ont eu un coup d'État. Donc, autant ensemble, puis beaucoup yo kabe extrait une émission parce qu'ils ont somme. François Béa a simaki clé à Mboka. Tant aux conseil spécial en matière de sécurité et à chef de l'État, aussi mis secret à Mboka na Maboko. Tant au secret à Mboka kon Maboko papaya. Et ça m'a la monté. Yoga la kala koutouki service n'a renseignement n'aide pas rwandais tout ça ma kamoui belé l'obama alors tant qu'il est directement à point y'a coup d'état bandeko opposant la démission coup d'état à la qui a soumou les le tout ça n'a pas preuve de coutil la pino François Béa a zaké n'a pas officier militaire ensemble. Bango tout bazana makala. Po ba annonce ka que François Béa makala, ba annonce ki ya officier militaire wana te. Mena ko news 24 heures semble que officier militaire ba colonel bazana makala. Na commissaire supérieur à FARDC, azana makala. Ba nina mwe ko banda. Procès ko banda lilo. Na chambre foraine à Makala, devant la haute cour militaire. Président de la République a eu bon Sambouka. Comment vous avez courage que vous avez sa démocratie autour de toi avancer dans vous? Toi, tu es la chef de l'État na Makasi. Coup d'État bandeko, Makambo Nyonso. Et quoi avancer Tenamouk? Tout le monde est en Afrique de l'Ouest. Boutala n'est pas payé, Zali. Mais bisous tout ça par la grâce de Dieu. Bah, l'objet est le cognon sur ceux qui vous paient ce mot en Zambé de Guinée bien. Ce qui était, parce qu'il avait tout. Mais pourquoi il a quitté? François Béa, parce qu'il y a une nuance, mais pourquoi pas qu'il y a un coup d'État et s'imiter? Pourquoi manquer? Na EDC, moutou a bon sa, mboka balinga kete. Monsieur Zalé Kake, ah! Président, ou y a eu bon sa mboka, il faut tout l'ongolaye. Na makasi. Ça ne peut pas marcher. Tant bon n'a bon l'ongolaye ka na makasi, ko marche ti. Parce que si d'assure tous en ango, bande que zo senga bisou nyonso, tous à la cima, tous si pour te mouka. Bazo de te do, zo mona, o mona, na tous en a makabo ya M23, kote on bala moko coup d'état, donc zo mona kaba nyimbo ke avancé.
Donc, tout a été bien préparé. N'a pas tout moussou basa sima. Oyo, somo tali liste au tali. Ah, ma colonel, eh. Commissaire supérieur, FARDC, eh. Basalibé, ba réunion. Ba longo la fatine à pouvoir. Oyo, démocratie. Et ça lui combien de temps? Oyo. Pour la colouka, paix. Pour nous, comme la démocratie n'a pas. Il dépense à sali combien de temps au Bunda pour avoir ma place basali. Bon, le loba, on a la présence de la République dans ma casse. Bah, Congolais, bah, Kolingate. Situation est grave. Il y a autre chose à Congolais. Et comme étant Oyo, tous ensemble, pour beaucoup avancer. Ba coup d'état où ils aient capable de déstabiliser ba moni ke fatia e ko bon sa mboka bi e comme état to longola e so ki de mboka ko bonga gouvernement le ki ba sala ki combien 20 ans et c'est tout mon résultat bien fatia na moi 3 ans où ya te bele ba limité toujours mon ba signe mais impossible ne tombe ke sala ki ka 3 ans fatia. Asala ou yasali. Tenza mouki. Mais tous ala na patience. Makama bien kouya. Alors, avançons. Le coup d'état était très bien monté. Et comme quand on a point. Parce que la réunion est au salam en coulisses. Président de la République a yébagite. Mais tout félicité service na bisou. Il y a renseignement. Et ça qui facilité. Fatia Zaki sache qu'on change un air, mais la mort qu'on tient, ou à Zamena na un air. Bango ba yo détecte. Ba yo kanga, François Beya. Tango ba kangiye, yé mon côté, na ba officier supérieur à Fardis. Mena va to progresser. To tang ensemble. Bongo après. Soto tangi, boyoka, réaction, bongo, to continue mission na biso. Bande konanga to tanga yango. Coup d'état, François Beya et officier FARDC, baza devant la haute cour militaire. Le procès de François Beya, ancien conseiller spécial du chef de l'État, en matière de sécurité, débute ce vendredi 3 juin 2022 devant la haute cour militaire en chambre foraine à la prison de Makala. Il est poursuivi avec 5 autres co-accusés, Bango 5, pour complot contre la personne du chef de l'État, selon l'auditeur général. Les co-accusés de François Beya sont Boulanda Siko, Oali Bosso, le colonel Sikapa Tite, le lieutenant-colonel Pierre Kalinga, le commissaire supérieur principal Lili Tambou, Guy Vandanoa et le brigadier Tonton Toadi Sekele en fuite. Do Bango Nyon Soubazay Nakata Komplo. Ba officier supérieur à FARDC. Ba lingi mbokati. Ils sont accusés de complot contre la personne du chef de l'État, offense au chef de l'État, violation des consignes et incitation des militaires à commettre les actes contraires aux devoirs et à la discipline lors de l'audience de l'introduction. Parce que ça, c'est l'audience, j'ai introduction. Le lundi vendredi, Ndeko Samba Ndeko Banda. Et ça, c'est mon bandeau. Le collectif du Conseil de Beya et l'organisation Free François Beya ont toujours revendiqué la régularisation de la détention de leurs clients, qu'ils considèrent comme un détenu irrégulier et que son transfert à la prison centrale de Makala aurait violé les dispositions de l'article 18 de la Constitution. Ces textes disposent.
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Mais Makambo, bah, il sait qui est. Frère François, bah, bazolo, bah, ke bazui tamming pour na koya ko sambisai. Il fallait na leur wanagaka, bah, sambisai. Mais investigation est très importante. Bande quoi, Frère François Béa. Et tant ouyou, et ça qui pour baille par enquête et salam. Avançons. Ces textes disposent toute personne arrêtée doit être immédiatement informée. Et doit immédiatement, c'est-à-dire, Abaye Sembaramoko. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son, avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures et l'expiration de ces délais, personne gardée à vue doit être relâchée, mise à liberté. Hein, provisoire de 48 heures. Il faut batikaye, ils ont 48 heures relâchées, batikaye, azala, libre. Ou bien doit être relâché à la disposition de l'autorité judiciaire. Donc, awa extrêmement nombre de place de Taïwanesa, bateau à Béa, balobi que, balexa qui est l'air mini, pour baya ko samsaye, lelo, le 3 juin 2020. À cette occasion, les avocats de Béa peuvent soutenir l'exception d'irrégularité, d'arbitraire, à solliciter mise à liberté provisoire. Mise à liberté provisoire. Tu es bien mon canapé toujours. Balubile va pour ça, mais c'est pas pour cinq ans. Mais bah si les sana pour ça, mais ça va pas ça ça y est mon côté. N'aba colonel wana nyoso. C'était un complot coup d'état. Bah des gros moments ni bah colonel wana. Le colonel Tika, Titi. Le colonel Pierre Kalenga. Lilitam. Vanda Noa, brigadier. Tonto towa siki ba bangwana tu bazana makala ba kongolo bozae ko lubake o bakangi yemoko botana bazana makala na François Béa bangwana ya watu lo ba toujours ba to ba lo makambo bien te ba fausse information bazaba ndoki ya Congo balingi mokote avance tozo tanga ensemble bande ko tozo développer à cette audience. Les avocats de Béa peuvent soulever l'exception d'irrégularité et d'arbitraire pour solliciter la mise en liberté de François Béa. Le 5 février dernier, cet ancien conseiller de chef de l'État avait été arrêté par l'ANR, Batiakina Kachou, pour 2 mois. Pourquoi ça l'a quitté 2 mois? Azaï Kolinga Kolobati. Yango, Aya Koloba, après, on va kangi ma colonel Onyonso. Le 4 avril dernier, il avait été transféré à la prison centrale de Makala au lieu d'être présenté devant son juge. Naturel et simplement relaxé, selon ses avocats. Et le 4 mai dernier, le prévenu a été déféré devant la haute cour militaire qu'il soit jugé. Bandeko, le 4 mai, azaki na maboko basaki introduction. Je crois bien mon collègue, on ne ba colonel oui. Allo. Bandeko, ton moni bisognoso. Mais avant de développer ensemble, ton yoka extra oyo. Bon, ton continue mission la mission. Monsieur, bonjour. Justice pour commencer cette édition du journal. Ce vendredi que débute le procès de l'ex-conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa, devant la haute cour militaire à la prison centrale de Makala. L'ancien patron du Conseil national de sécurité n'est pas le seul à comparaître dans ce procès. Il est poursuivi avec d'autres personnes pour 4 factions mises à leur charge. Les détails avec vous, Jeff Ngoy. L'auditeur général et ministère public poursuit François Béa, le colonel Chikapatite, lieutenant-colonel Pierre Kalenga, commissaire supérieur principal Lili Tambo, Guy Vandanoa et le brigadier Tonton Toadi Sekele en fuite. Ils sont prévenus de complot contre la personne du chef de l'État, offense au chef de l'État, violation de consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. À quoi peut-on s'attendre à
cette audience d'introduction. Le collectif du Conseil de Béya et l'organisation Free François Béya ont toujours revendiqué la régularisation de la détention de leurs clients qu'ils considèrent comme un détenu irrégulier et que son transfert à la prison centrale de Makala aurait violé les dispositions de l'article 18 de la Constitution. À cette audience, les avocats de Béya peuvent soulever l'exception d'irrégularité et d'arbitraire pour solliciter la mise en liberté de François Béya. Rappelons que c'est le 5 février que Béya a été arrêté par la NER et détenu pendant 2 mois dans ses cachots. Allô, bande coton la libisonios. Tout tangé ensemble, ndenge makambangwe il est kaki. Toyoki ndenge bazo samse na 5 koakizi. Osomona bande ko na ba colonel na kati ba officier supérieur. Commissaire supérieur à FARDC. Bobo tera pouvoir na makasi. Et puis, ba Congolais, ba yubi kezaka bango te, ba ton soupe, ba za sima na bango. Yango boso mona, bandeko, makambo yu, yango mona ake, mboka na biso ba lingye bongati. Président aye kobongsa mboka balingete balongole na makasi et pas seulement ça balingi démocratie kota na EDC bozana retard les chiens aboient la caravane passe tout côté déjà la démocratie et quoi avancer. Ce qui boye bati na union sacrée tout expliquer binou. Inyo sacré l'axi batu basangani ensemble batonga mboka. Et sacré pourquoi ba peso pe na maboko a Nzambe. So boye ba batina inyo sacré ti yangwana. Fachi a explika kango mokola liboso a prononsa ki inyo sacré. Basangani po ba dirije mboka oui. Et puis souwe na biso Inyo sacré va continuer. Va diriger mboka oyo. Pour pas ça la volonté, bazon la ça va congolais. Bandeko pour le moment ba travaux zo sala makubongsa même Kinshasa wana. Misala bien zo sala sikoyo, makambo bazo bongsa ba nzela, bazo bongsa ba société, bazo sala tout congolais social et bon. Bazo sala nyonso pour congolais vie bon. Boya kokata ona nzela coup d'état. Ah. Même Nzambe wana olingate a permettre amuti. C'est pour ça tout comme un scénario. Donc ce qui tozo tala et zo mona clairement bandu ka Congo ba ozane échec moko total. Yango tozo yebisa bandiko et comme temps. Oyo to comprendre que coup d'état oyo il y a que bep sa démocratie bon landa ba message à l'okutati muta ko leka na YouTube a jitane ko lobaki et sa faux coup d'état si quoi ko lobani o ba prendre ba benga bandu ya Congo si quoi ko lobani yo lo ki faux coup d'état bon si quoi ba colonel wana ba kangi ba onka ba lobi ki o ba kangi ka yemo ko François Béya si quoi le to moni 5 personnes to tangi, to yoki, radio na biso na Kinshasa. 5 personnes angwe angwa. Tuzo kende wapi. Oeza mboka na biso to telema. Eza li sou tante, bandeko. Vrema, tuzo senga. Biso nyonsu. To telemela. Bato nyonsu. Oyo balimba bebi samboka. Izoto total, oyo za dévoile 6 personnes. Ba renyo dije za o salama. Et puis brigadier za enfuiti. Toke esko na brigadier wana. Brigadier, totanga kombo na e. Brigadier tonton, toi di sekele enfuiti. 5e personne a enfuit.
4 bazana makala. Je m'excuse pour n'avoir 5 bazana makala. Donc 4 bazana makala. 5 wana 5 brigadier aza en fuite bazo lukisai. Ata kimikimba wokangai. So pese a 4 si a kei, li banda mboka. Usamana, pourquoi brigadier wana kimi? Nana kimi si brigadier wana? Andiko izo salamawa. Fale pa brigadier wana kima. Mais le brigadier a sa enfuite. Donc, il y a 4 personnes, Bazana Makala, na François Béa, oyo bako bana ko sam sa bango lelo. To yé ba mouzinda ma solo. To ko pesa ba boné na tso be information ndenge nini procès wa nezo leka na chambre foraine. To yako bebe sa démocratie kabo. Et lo wè sara kama wè zani. Information où y'a kolobaki et za faux coup d'état. Le lo moni. Oa za en fuite bako zoye. Ba congolais bo fungo la misu. Président oa bon sagamboka balinga kaiti. Ba monete mboka oye baliko bako bon sayango. Ba ministre sama lukonde baza décidé ba bongsa mboka. To tira kolanda ba masolo wana to komisiko na gouvernement sama lukonde. Yango moni ba lobite. To sara kudita. Comme ça sama lukonde ba ministre ni balinga ba bongsa mboka ba bongsa oli soute mbala moko pa dictature koti. Armée ba ju pouvoir. Ya coup d'état et coup salamati nous avons qu'on permettre à monter la ETC ya on te veut ça vendre quoi tout salamayil et nous salamama wa kabande comme sur mon aléki la média à ce loup à ma bébé on a beaucoup qui voilà et ça n'en coûte pas faux coup d'état tout ça ah on s'en a preuve que ça faux coup d'état. Ozo banga ta te, ozo mona te ki bakangi batu. Me le wana siku ba lwe bakangi ka mutu moko. Me biso su zo mona bakangi mutu moko. Me le lo siku oko no ba nini. 5 person ba zaki na ye moko aza en fuite. Le brigadier. Bako kanga ye. Bazo lukisa ye. Ba kongole. To tika. Kozala na position tout ça. To telema pona mboka. Ya ona felicita ka ba abone na biso. Ba message moko kitoko pona mboka. Ba lobi, papa journaliste loba. Pandeko, tout ça na besoin ti mboka oye kende liboso. Toi avancer pour le plaisir de la RDC. Munguna tokolonga yebako comme sur bazana na place ta okima. Bako parata mbangu na ndenga mukete. Ya onte sa congolais. Et comme ta biso nyoso bomoko. Toi avancer pour l'intérêt du pays. Pour avancer pour l'intérêt ya mboka. Pour munguna akoka biso ti. Alors, bande konangai. Merci na nebo landi mission. Merci na ba conseil. Bo continuer ko s'abonner, bo partager mission. Po banguna Congo ba lobaki ete. Asa yemoko, eza faux coup d'état. Bo partager. Ba yeba ke eza faux coup d'état, eza ki vrai coup d'état. Bo continuer bande ko partager. Bo abonner massivement. Tozana bango. De père et de mère, tous à l'ensemble, tout avancer, mboka ou. Merci. Tout tiki bino. Bon, continuez qu'à vous abonner. Au revoir. À la prochaine.